أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام على القتيل المظلوم السلام على الرضيع الصغير très chers enfants السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Comme vous le savez, notre sujet c'est la présence des enfants et des adolescents dans l'événement de Karbala. Alors, parmi les adolescents qui se sont présentés, en fait, dans le mouvement de Karbala, ce sont les deux enfants des musulmans et le fils de Aqil. Alors, Aqil, c'était l'oncle de l'imam Hussein, alayhi salam. Aqil, c'était le frère de l'imam Ali. Et puis, Muslim était le cousin de l'imam Hussein, alayhi salam. Il était envoyé spécial de l'imam Hussein à Koufa. Là, il avait deux enfants, ses deux enfants avec lui. Il s'appelait Muhammad et Ibrahim. Avant ça, je vais vous parler un petit peu à propos de Muslim, le fils d'Aqil. Vous savez, parmi les gens qui ont perdu tout, autrement dit, ils ont sacrifié tout, c'est Muslim, paix sur lui. Muslim a sacrifié tout ce qu'il avait pour cet événement-là, pour l'imam Hussein et pour le chemin de l'imam Hussein. Autrement dit, pour la vérité. Parce que Muslim avait trois enfants, deux garçons et une fille. Et son épouse était la fille de l'imam Ali et la sœur de l'imam Hussein, alayhi salam. Son épouse s'appelait Ruqayya. Alors, Muslim lui-même, en tant qu'envoyé spécial de l'imam Hussein à Koufa, il est tombé martyr à Koufa. Et il a perdu encore ses deux enfants, je vais vous raconter leur histoire, à Koufa, juste un an après l'événement de Karbala. Donc, il avait une fille, peut-être, je crois qu'il s'appelait Khadija. Cette fille-là aussi, il a perdu son âme lorsqu'ils ont attaqué en fait, les tentes et le camp de l'imam Hussein, alayhi salam. Alors, il lui restait quoi? Son épouse Ruqayya. Son épouse Ruqayya, lorsqu'il est rentré à Médine, il a vu que sa maison est détruite. Parce que le gouverneur de Médine avait détruit, en fait, la maison de Muslim. Alors, il était obligé de rester avec sa sœur Zainab, salamullahi alayha. Mais il n'a pas pu vivre longtemps. Il est parti et il est mort juste après 9 mois de l'événement de Karbala. Donc, avec ça, tout était parti. C'est-à-dire la famille de Muslim, lui-même, sa femme, sa fille et ses deux enfants, Ibrahim et Muhammad, sont tous partis. Donc on peut dire que Muslim, salamullahi alayhi, a sacrifié tout ce qu'il y avait pour l'imam Hussein, pour l'événement de Ashura. Merci beaucoup. Assalamu alaikum. ورحمة الله وبركاته